Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Et oui, nous qui parlons encore en 2019 cette belle langue de Molière un peu partout dans le monde. Venez nous rejoindre. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses au menu à Freedom News Network et la spiritualité en fait partie, détachée de toute religion. S'il vous plaît, la spiritualité appartient pas à la religion. Spiritualité essentielle, je pense, à un équilibre dans la vie et à l'avancement vers la station finale que tout le monde, tout le monde atteindra de toute façon. Qui sommes-nous D'où venons-nous Où, venons Où allons-nous C'est des questions qu'on se pose depuis depuis très longtemps. Hein? Il y a une explication à la création de notre monde qui est la suivante le monde est a été créé il y a longtemps, par hasard, par un big bang. Nous, on est arrivé relativement récemment, on n'est que de... on n'est que de la poussière insignifiante, sans aucune euh, vraiment euh, importance, et on finira en poussière et on sera oublié. Il, hein, il y a ce point de vue-là euh, scientifique qui nous donne euh, vraiment pas beaucoup d'espoir. Une chance que ça ne s'arrête pas là. Nous, on le sait très bien que c'est beaucoup plus que ça. Hein? que la vie c'est beaucoup plus que ça, que nous aussi faisons partie de cet ensemble-là et que d'abord l'univers existe parce qu'on est là et on l'observe et on le voit. C'est assez important de comprendre ça. L'univers existe parce qu'on est là et on l'observe. Sans notre présence et notre observation de l'univers, L'univers n'existerait pas. Donc c'est vraiment complexe. On a des émotions. On sait que. On nous dit que l'univers est rempli de vide, que entre vous et moi c'est le vide qui a rien, que tout ça c'est du vide. Je suis pas convaincu de ça. C'est rempli d'émotions sûrement. Rempli hein, de toute cette ce vide qu'on semble voir est rempli de d'émotions vraiment, entre autres. Et il y a des histoires qui sont renversantes. Je vous avais promis une histoire extraordinaire, ça c'en est une vraiment. À chaque fois que je l'écoute, <laughs> j'ai les larmes aux yeux et ça nous prouve à quel point on n'est pas entouré de vide et à quel point les émotions sont importantes pour la création et la continuation de la création de l'univers. On est comme en co- euh Ici création avec l'univers, hein? sans nous il n'y a pas d'univers, sans univers on n'est pas là. Et les émotions et la présence humaine de tous ces humains qui sont passés sur terre amènent leur grain de sel dans toute cette euh, grande aventure. On va aller, vous... je vais vous raconter cette histoire là. Puis vraiment, je peux vous dire une chose, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Ça se passe aux États-Unis. Et c'est la naissance prématurée de sept semaines de deux petites filles, deux petites filles. Et la pratique aux États-Unis est la suivante la, en général, dans les hôpitaux, lorsqu'on, bon, on, les deux jeunes filles, les deux bébés à couche prématurés, il ben, y en avait deux parce qu'ils étaient des jumelles, on les amène séparés dans des incubateurs, euh, chacune de leur côté. On les couche sur le ventre, hein, face euh, sur le lit, sous les euh, sous les lampes chauffantes et on espère pour le mieux. Donc imaginez que vous avez été dans le sein maternel, d'abord près de du cœur de votre mère, dans le ventre de votre mère, en compagnie en plus de votre sœur jumelle pendant ces euh, semaines et ces semaines de grossesse et que soudainement vous sortez de ce sein maternel prématurément ou non, c'est déjà un changement et un choc. Et en plus de vous faire séparer de votre sœur jumelle, c'est encore plus déroutant, plus choquant et plus, euh, comment dire, ayant un impact encore plus grand sur ces bébés-là. Donc, on sépare les deux filles, on les met chacune de leur côté, et tout de suite, tout de suite, une des deux euh, petites filles, on se rend compte que ses signes vitaux et qu'elle est en train de vraiment euh, partir, ses signes vitaux sont en train de vraiment fléchir. Et il y a une infirmière qui est là sur place qui dit, je dois absolument faire quelque chose. Je ne peux pas euh, rester euh, là à rien faire, sinon cette petite fille-là va... Mourir. Donc, elle dit Je vais sortir du protocole, je vais sortir des règles et il faut absolument que je fasse quelque chose. Elle prend la petite fille et elle l'amène dans l'incubateur avec l'autre petite fille plus forte. Et vous comprendrez bien que je suis convaincu que vous êtes en train de, de voir la suite venir. Tout ça pour nous faire prendre conscience que. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'insignifiance dans cette vie-là. Que tout est vraiment important, que les émotions sont importantes aussi et participent à la, comment dire, à la mouture puis à la, à la forme de cet univers-là. On apporte notre coup de de marteau, de sculpteur avec ses émotions, toutes ces gens qui ont foulé cette terre-là, et on amène la petite fille avec euh, la, plus, la plus faible avec la plus forte, ces cinq vitaux étaient vraiment en complète complète euh, déroute. On l'installe à côté de la de sa sœur jumelle. Tout de suite par instinct, la sœur jumelle passe son bras au-dessus des épaules de sa petite soeur. Et instantanément, les signes vitaux se stabilisent. La petite fille reprend des forces. Et aujourd'hui, ces deux petites filles-là sont des grandes filles, sont en vie, vivantes, en pleine forme. La petite fille, son sort, sa situation s'est améliorée de minute en minute. Lorsque sa sœur lui a mis le bras autour, des épaules, et c'est à ce moment-là qu'on peut se réaliser que tout se passe dans le cœur, les émotions contournent l'esprit hein, et viennent nous toucher. Tout le monde avait, quand on entend des histoires comme ça, on, a, on se tient le cœur, on a les larmes aux yeux parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de puissant et c'est important de comprendre ça. De réaliser ça et ça c'est une histoire vraie et ça nous démontre à quel point les émotions sont un langage complet et qui est un langage qui peut pas être compris par la science. Il fallait que je partage cette histoire là parce que c'est vraiment pour nous démontrer à quel point on n'est pas juste de la poussière et surtout que l'univers et là, parce qu'on est là à l'observer. Juste comme ça en passant. Je vous reviens avec d'autres choses. Mais il fallait commencer la journée d'une belle façon, d'une façon positive, pour réaliser que la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion. Je vous reviens.